quarantaine de kilomètres à l'est de Oran, en Algérie, une petite ville, Arzeux, accède aujourd'hui même au rang de grande cité industrielle. Arzeux était un port de pêche, une station balnéaire, et voici qu'elle devient le siège de la première usine de liquéfaction de gaz naturel, c'est-à-dire de méthane, au monde. Cette inauguration, ça n'est pas seulement une ville qui éclate et une nation jeune qui s'équipe, mais un événement symbolique. Grâce à l'usine d'Arzeux, le gaz du Sahara alimentera désormais les chaudières de la vieille Europe. Le point important dans l'histoire de la Cavelle a été la décision du Parlement britannique en novembre 1961 d'apporter en Grande-Bretagne 1 milliard de mètres cubes de gaz de provenance sahariennes. Depuis, il y a une importance de bruit, vous l'avez promis, nous nous sommes penchés dès avant le commencement des travaux sur cette question de la promotion. Alors, monsieur le maire, content de cette inauguration? Oh, très content. C'est la fin vraiment d'une très belle journée. Je suis très heureux que se termine dans l'allégresse ce chantier qui a duré un peu plus de 2 ans. Plus de 2 ans? Oh, oui. Beaucoup de travail. Hein. Énormément. Et alors, qu'est-ce que vous en déduisez quant à l'avenir d'Arzeux? Eh bien, je pense que cette usine a complètement transformé la ville d'Arzeux. Auparavant, elle était un peu tournée vers le tourisme, vers la pêche. C'était hier, au terme d'une tragédie de 7 ans, soudain le vide et le silence des colères assouvies. Quel que soit le passé, l'avenir, lui, ne se laisse pas oublier. Il faut agir malgré la fatigue, il faut bâtir, produire, malgré le manque d'hommes et de moyens, il faut semer malgré les ronces et les terres en friche. Et dans cette torpeur, un chantier géant voit le jour, Camel, compagnie algérienne du méthane liquide. Henri Provost, vous avez dirigé la construction d'Assirmel. Et maintenant, vous venez d'achever celle d'Arzeux, de l'usine d'Arzeux. Rappelez-moi un peu, qu'est-ce que c'est Assirmel? Qu'est-ce que c'est Arzeux? Bien, Assirmel, vous le savez, est un gisement de gaz et un gisement de classe mondiale. Et probablement l'un des plus importants connus actuellement au monde. Découvert en décembre 1956, plus de 1000 milliards de mètres cubes de gaz naturel récupérables. 85% de méthane, 250 kg de pression en tête de chaque puits. Assirmel, autrement dit le puits heureux, alimente bientôt par un gazoduc de 500 km les centrales thermiques d'Alger et d'Oran. C'est encore bien peu pour un pareil gisement. L'usine d'Arzeux ouvre ses vannes et voici que, liquéfié, le gaz du Sahara prend la mer vers l'Angleterre et vers la France. Assirmel, 1956, Arzeux, 1962, une aventure industrielle et une page d'histoire. Du site d'Arzeux a été commandé par le choix du terminal du pipe. Et pour choisir ce terminal, il fallait trouver un site qui offre des possibilités de relief et de planéitude qui permettent l'implantation d'un centre industriel, oui. Et que par ailleurs, le relief côtier permette l'extension ou l'aménagement d'un grand port pour l'exportation. Et qu'est-ce qu'il y avait à la place de l'usine avant, il y a 2 ans? Les terrains actuellement occupés par cette usine étaient principalement des vignes. Il y avait une petite ferme et je crois également une installation d'alfaterie. Et il a donc fallu débarrasser ce terrain d'environ 80 000 mètres cubes de terre végétale avant de commencer les travaux de terrassement, proprement dit. C'est ça. La main d'œuvre était de quelle origine? En fait, le pourcentage de main d'œuvre locale qui a été utilisé principalement en matière de génie civil aura été de 60%. Les entreprises étaient principalement des entreprises françaises. Et ça présente, je sais pas, depuis 22 mois, combien d'heures de travail? En fait, ce chantier aura nécessité 8 millions d'heures de travail.
ça représente en moyenne 2000 hommes pendant 18 mois. Et sur le terrain, l'usine se présente comment ? À la partie ouest, donc, en évoluant d'ouest en est, vous trouvez successivement la centrale énergétique, ensuite les lignes de liquéfaction elles-mêmes, qui consistait à démarrer la construction des bacs de stockage sur des terrains qui devaient être gagnés sur la mer. Et compte tenu des délais impartis, la construction de ces bacs a dû démarrer avant que ces terrains ne soient eux-mêmes exécutés et gagnés sur la mer. Il a fallu donc réaliser des remblais partiels juste au droit des futurs réservoirs pour pouvoir démarrer la fondation de ces réservoirs. Le méthanier gagné sur la mer fut tout simplement remblayé par le sable aspiré au large et véhiculé par l'eau de mer. Les assises de l'appontement proprement dit seraient constituées de 24 colonnes de béton creuses destinées à être remplies de sable et pesant chacune, une fois lestées, environ 2500 tonnes. Ça fait beaucoup.
toute cette eau de mer. Il s'agit, rappelons-le, de liquéfier du gaz, du méthane, en abaissant sa température. Il jaillit à Sirmel de 2200 mètres de profondeur à quelques 70 degrés de température. On imagine qu'à l'extrémité de 500 km de tuyaux en terre africaine, il est encore bien loin de son point de liquéfaction, c'est-à-dire 160 degrés au-dessous de zéro. Première étape, préparation de la charge, autrement dit, séchage et décarbonatation du gaz, car toute trace d'humidité et de gaz carbonique se traduirait à une pareille température par des bouchons de glace dans les installations. Les deux grandes colonnes de décarbonatation de cette unité furent construites dans le nord de la France et transportées par route puis par mer jusqu'à Arzeux. Elles pèsent 110 tonnes chacune. Elles auront, dans leur migration, suscité autant de curiosité sur la route de Dunkerque que sur le front de mer d'Arzeux. Pour tous les citoyens du monde, il est des convois exceptionnels qui signifient la paix et le progrès. Sèche le gaz. Mais pourquoi toute cette eau de mer et comment fonctionne l'usine? Camel est placé sous le signe de la coopération. On y rencontre, aux côtés d'ingénieurs français, des Algériens, des Anglais, des Américains, des Hollandais. Nous sommes ici dans la salle de contrôle de l'usine. C'est une sorte de passerelle de commandement. Avec l'assistance de tous ces instruments, nous contrôlons à partir d'ici la marche de l'usine. Vous savez que le but de notre usine, c'est de liquéfier le gaz pour diminuer son volume dans un rapport de 600 afin de le rendre transportable économiquement. Donc nous rapprochons les molécules les unes des autres de façon à ce que le même nombre de molécules gazeuses occupe un volume nettement plus réduit à l'état liquide. Qui, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le cas du métal liquide, est de l'ordre de 600 fois moins. Alors, c'est-à-dire qu'un bateau méthanier représente 600 bateaux méthaniers de gaz, si vous voulez. On passe la température du gaz du Sahara, de la température ambiante, à la température de moins 160 degrés centigrades. Donc, on fait ça en trois paliers en cascade. Mais pour quelle raison effectuez-vous cette opération en cascade plutôt que de la faire en une seule fois, d'un coup? Les lois physiques permettraient de transformer un gaz en liquide en un seul palier de température. Les lois économiques ne le permettent pas. Aussi, nous avons réalisé ici simplement un compromis entre ces lois physiques et les lois économiques. Et je peux donc vous schématiser le circuit de réfrigération utilisé à l'usine Camel à Arzeux, en commençant par le circuit frigorifique propane. Il comprend essentiellement un compresseur, le propane une fois comprimé est refroidi et condensé à l'eau de mer, puis il est détendu, ce qui abaisse sa température aux environs de moins 35 degrés centigrades.
cette condensation du propane étant obtenue dans une batterie de 10 échangeurs à eau de mer. Le circuit eau de mer, très simple à schématiser. Dans ce premier cycle de réfrigération, l'eau de mer sert à refroidir et à condenser le propane. Bien. Donc un premier cycle de frigorifique à propane, un deuxième à éthylène. Comme le précédent se compose essentiellement d'un compresseur, l'éthylène comprimé refroidit à l'eau de mer, puis refroidi et condensé dans du propane, et le liquide obtenu est alors détendu, ce qui abaisse sa température à moins 100 degrés centigrades. La cascade commence. Toutes opérations s'effectuant, comme pour le propane, dans une batterie de 6 échangeurs de température. Nous sommes donc parvenus à moins 100 degrés. Troisième étage, cycle frigorifique à méthane. Il est constitué, comme le cycle précédent, d'un compresseur. Oui, et c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que le froid s'obtient par le cycle. À cette différence près que le modeste compresseur de notre réfrigérateur domestique fait place ici à une batterie d'appareils d'une puissance totale de 90 000 chevaux. Le méthane comprimé est refroidi dans l'eau de mer, puis dans le propane jusqu'à moins 35, puis dans l'éthylène jusqu'à moins 100. Les liquides, une fois obtenus, est détendu, ce qui abaisse sa température à moins 150 degrés centigrades. Introduisons maintenant le gaz naturel. Voilà. Ce gaz est comprimé. Il est refroidi à l'eau de mer. Refroidi au propane. Liquéfié à l'éthylène. Refroidi à moins 150 dans le méthane. Puis une dernière détente qui abaissera sa température à moins 160 degrés. Il est alors prêt à prendre le large. Pratiquement toutes les opérations de refroidissement du méthane et du gaz naturel s'effectuent dans cette boîte froide, thermiquement isolée. Les bacs de stockage, les réservoirs que nous avons devant nous, contiennent combien de méthane liquéfié? Les trois réservoirs aériens que nous avons sous les yeux ont une capacité de 11 000 mètres cubes chacun, soit 33 000 mètres cubes au total. Comment sont-ils posés sur le sol? Ces bacs sont fondés sur des fondations indirectes, autrement dit sur pieux. Sous chacun des réservoirs règnent 99 pieux, des pieux forés écoulés en béton, du fait que ces réservoirs sont construits sur des terrains qui ont été gagnés sur la mer. Sur ces pieux, ces pieux sont couronnés par une galette, une plateforme horizontale qui supporte elle-même les deux bacs. Et alors les réservoirs métalliques sont posés sur cette sol, sur cette galette de béton. Oui, je vous ai dit deux bacs, parce que en fait, ces bacs contiennent un liquide extrêmement froid qui est à moins 163 degrés, et ces bacs sont construits comme de gigantesques bouteilles thermos. En sens qu'ils comprennent une enveloppe intérieure qui contient le liquide, cette enveloppe est froide, et une enveloppe extérieure en acier qui est à la température de l'air. Ces deux enveloppes étant parfaitement isolées l'une de l'autre par bourrage de produits isolants. L'enveloppe intérieure est en acier également? Non, l'enveloppe intérieure n'est pas en acier. C'est justement l'un des problèmes de résistance des matériaux qu'a posé la réalisation de cette usine, du fait qu'on ne peut utiliser de l'acier ordinaire à basse température. À cette température-là, l'acier perd ses qualités de résilience, autrement dit de résistance au choc, il devient extrêmement fragile. Voici, à échelle réduite,
un aspect assez fidèle de la réalité. Le méthane liquide, à moins 160 degrés dans les réservoirs de stockage, se présente ainsi, en ébullition permanente. Nous allons voir quelles modifications peut provoquer une pareille température sur des matériaux traditionnels. Un corps que tout le monde connaît, le caoutchouc, très souple. Je vais le tremper dans mon vase. Attention. Alors, parfait. Très joli, ça. Un puits artésien de méthane liquide. Et ça va, ça va. Alors, vous voyez, une grande ébullition parce que j'ai apporté de la chaleur avec mon caoutchouc. Mon marteau. Vous avez un marteau? Oui, voilà. Tenez, voilà du mercure, le seul métal liquide à la température ordinaire. Oui. Allez, il est liquide. Je vais le tremper dans le métal liquide. Et ça fume parce que différence de température. Parce que j'amène de la chaleur, comme tout à l'heure. Donc de liquide, le métal en ce moment passe à l'état gazeux, bien sûr. Et le mercure est solide. Alors là, solide. Quant à l'acier conventionnel, nous constatons que sa résistance au choc devient à peu près nulle à très basse température. Il en est de même de son élasticité. Il était donc sage d'adopter soit de l'aluminium, soit un alliage d'acier à 9% de nickel, dans lesquels de semblables accidents ne peuvent se produire. Et ces réservoirs ont donc été construits pour deux d'entre eux, avec une enveloppe intérieure en aluminium, et le troisième en acier spécial à 9% de nickel. Leur diamètre extérieur est d'environ 28 mètres et leur hauteur de 26 mètres. Ils seront complétés bientôt d'un réservoir souterrain de 38 000 mètres cubes, dont les parois seront tout simplement la terre elle-même congelée. Les bypass que vous voyez là sont les bypass qui supportent les tuyauteries de grande liaison. On désigne par grande liaison toutes les tuyauteries qui relient les unités les unes aux autres. Et ça représente, je ne sais pas combien de centaines de mètres de tuyaux. De centaines de mètres, je crois que vous êtes loin du compte. L'ensemble des tuyauteries sur bypass représente environ 50 km de tuyauterie. Comment peut-on répartir ça 50 km au jour? Non, il faut déduire de ça les tuyauteries souterraines, notamment les tuyauteries d'eau de mer, dont vous avez vu la pomperie, et qui représente en développé 3,5 km environ. En toute l'usine, en comptant tous les développés de tuyauterie des unités, on doit atteindre un linéaire total de l'ordre de 350 km. Combien de pièces de tuyaux ça représente ça? L'ordre de grandeur est de 110 000 environ. Pour liquéfier le gaz naturel d'Assirmel, il faut lui arracher ses calories. Pour lui arracher ses calories, il faut beaucoup d'énergie. La production d'électricité est assurée par trois groupes turbo-alternateurs, dont un est entraîné par une turbine à vapeur et deux par des turbines à gaz. Pour en assurer la marche, il fallait doter cette usine d'une très importante centrale énergétique. Il fallait de l'électricité, près de 10 000 kW, pour alimenter d'innombrables moteurs. Il fallait surtout, pour les turbines à vapeur entraînant les compresseurs de liquéfaction, d'une puissance totale de 90 000 chevaux, près de 300 tonnes heure de vapeur à haute pression. Cette centrale brûle dans ses 4 chaudières de 100 tonnes heure et dans ses turbo-alternateurs à gaz, près de 15% en thermie des quantités exportées. Une grande partie du combustible est constituée par le gaz de flash, produit lors de la détente finale du gaz naturel dans les lignes de liquéfaction, ainsi que par les gaz d'évaporation des stockages que l'on récupère. Un jour enfin, en septembre 1964, au bout de 7 500 000 heures de travail, le gigantesque réfrigérateur Camel se mit en route. Une ligne d'abord, puis deux, bientôt trois, c'est-à-dire en régime normal, l'équivalent d'une production annuelle d'1,5 milliard de mètres cubes de gaz, les deux tiers destinés à la Grande-Bretagne, un tiers à la France.
l'Algérie s'édifiait cette usine de liquéfaction, l'Europe, elle, sur ses chantiers navals, construisait et lançait les plus grands navires méthaniers du monde. En France, le Jules Verne. En Angleterre, Methane Progress. Puis le Methane Princess. Une capacité de 25 000 mètres cubes de gaz liquide, chacun de ces méthaniers absorberait en quelques heures 3 jours de production de l'usine à plein régime. Le coup d'envoi était donné, Arzeux commençait à produire. Heating up the Mediterranean, North Thames gas boiler cooling down the Thames. It's just a pity this operation couldn't be reversed. Le paradoxe de ce projet est que à Arzeux, on réchauffe la mer Méditerranée, mais à Londres, on refroidit le fleuve Tamis. Quel dommage que ce n'est pas possible à faire en renverse. Comme Dan a dit, après 12 heures d'arrivée de méthanier, les ménagères d'Angleterre emploie le gaz. Pour faire le thé. Pour faire le thé, oui. Ainsi se réalise peu à peu un équilibre économique, géographique, entre les réserves d'énergie et la puissance industrielle. En 3 jours de navigation, le gaz du Sahara est aux portes de Londres. De la Tamise, sur l'île de Canvey, une usine dotée d'installations de stockage et de regazéification permet, en le réchauffant, de vaporiser le méthane liquide et de le ramener ainsi à son état de gaz. De là, un gazoduc le conduit sous pression vers Londres et les grands foyers industriels de Manchester et de Leeds, à plus de 300 km. C'est dans le port du Havre, enfin, que le Jules Verne débarque sa cargaison de calories. Gaz de France y est équipé pour reconvertir le méthane liquide à raison de 75 000 mètres cubes heure de gaz normal. La compagnie algérienne du méthane liquide, par la seule activité à la Grande-Bretagne, 10% de ses besoins en gaz, et à la France, l'équivalent de 50% de la consommation de Paris et de sa région. Grâce à l'usine d'Arzeux, fruit d'une coopération internationale, il est désormais prouvé que le gaz naturel est économiquement transportable. Il peut ainsi assurer la relève des énergies traditionnelles devenues insuffisantes. L'opération Camel, l'opération -160, a réussi.